Autre chose, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la session de septembre au Sénat. Les sénateurs élus de la ville de Kinshasa ont eu une séance de travail avec le médecin inspecteur de l'inspection générale de la santé. Objectif, mettre en place un projet sanitaire pour améliorer le système de santé dans la capitale. Plus de détails avec nos confrères de la presse de la Chambre haute du Parlement. Conscient de leur devoir devant le peuple, le sénateur élu de la ville de Kinshasa a lancé un projet de collecte de fonds de solidarité pour améliorer l'offre de services de la santé publique dans la capitale congolaise, leur fief électoral. Pour y arriver, il pense mettre en place une carte d'identité obligatoire dans chaque commune. À en croire ces élus, ce projet est un outil contraignant et se veut un renforcement du bon fonctionnement du système de santé urbain de Kinshasa. Pour que le système de santé fonctionne, il faut qu'il y ait des financements. Et notre projet ne va pas apporter les financements totalement. C'est notre contribution pour améliorer les financements du système de santé. Et 30% des qualités de la couverture sanitaire publique à Kinshasa, le docteur et sénateur Moli Sho parle d'une préoccupation de la structure sanitaire publique. Non, la situation elle est préoccupante hein, parce que vous savez, le médecin inspecteur nous a donné des chiffres qui sont assez préoccupants. Quand on dit que 30% de couverture en qualité des soins, je pense que nous devons nous mobiliser pour améliorer l'offre de santé de qualité à Kinshasa. Le médecin inspecteur de l'inspection générale de la santé espère déjà à ces projets que pourrait pallier à certaines difficultés fondamentales que rencontre l'inspection générale de santé de Kinshasa. Il faut qu'on arrive à améliorer la santé de la population de Kinshasa. Et cette santé de la population ne sera améliorée qu'en commençant par un travail à la base. C'est pour cela qu'ils ont promis qu'avec l'aide de tout le monde, de tout citoyen de Kinshasa, nous pourrons faire quelque chose au niveau de la base, au niveau de la zone de santé. Il s'est de noter que cette séance de travail s'inscrit dans le cadre des vacances parlementaires des sénateurs de Kinshasa.